la ligne qu'on s'est fixée, c'est de faire un concert avec les artistes du moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un créneau découverte, on n'est pas sur la nostalgie non plus. Le but, c'est d'amener au public de Lisieux des artistes qui passent en ce moment en radio, ou en tout cas qui sont passés dans l'année. C'est vraiment le format de la Radio Cristal, qui est une radio régionale qui émet, donc pour rappel, sur la Basse et la Haute-Normandie. On est une hit radio, c'est-à-dire qu'on passe les tubes du moment. Et donc on est en contact, nous, toute l'année avec les artistes qu'on passe en radio. Et on a forcément en point de mire, en fin de saison, on sait qu'on organise un concert. Et on prend des contacts tout au long de l'année avec les artistes qui passent. Et ça donne finalement au mois de juin donc ce plateau de 6 ou 7 artistes. Alors, on est un peu sur le même format de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on avait 6 artistes, on retrouve 6 artistes cette année. Le but, c'est de tenir sur environ 2 heures de spectacle, hein, donc vendredi soir entre 20h30, on devrait déborder 22h30, 23h normalement. Pour ce qui est des artistes sur scène, on aura donc Génération Goldman, qui est sont peut-être les artistes les plus attendus sur ce concert, parce que ce sont les artistes qu'on a entendus le plus peut-être en radio cette année. Donc on aura Leslie et Ivor Eyes avec nous, qui ont notamment interprété le titre Je te donne, qu'on retrouvera évidemment vendredi soir sur scène. On a Florent Motte, qui est également un artiste qui a vraiment bien percé cette année. Côté festif, Tropical Family, alors on en entend parler depuis un mois et demi. Peut-être, sans doute d'ailleurs, le tube de l'été à venir avec une reprise de Maldon. Ça, c'est très festif et on les aura effectivement sur scène. Dans un tout autre domaine, Axel Bauer, qui est lui peut-être l'artiste le plus confirmé qu'on retrouvera donc vendredi sur scène. Alors, Axel Bauer, une carrière un peu particulière. Il a vraiment très très bien marché dans les années 80. Cargo de nuit, Éteint la lumière, on s'en souvient forcément. Et on l'aura également sur scène, ces deux titres-là. Et puis Axel Bauer, il est revenu il y a une petite dizaine d'années maintenant. On le voit un petit peu plus. Et là, il sort un nouvel album. Donc on est très content de l'accueillir. Et puis on aura aussi Brice Conrad, Hola. Alors ça parle forcément si vous avez des enfants, des ados, c'est incontournable. Et on aura donc également Zao, la révélation féminine peut-être de l'année, très attendue notamment des ados. Alors c'est pas forcément une volonté de notre part de se dire ah, cette année on va faire venir un artiste avec une notoriété peut-être plus affirmée, mais je suis pas très à l'aise avec ça, parce que Axel Bauer, il est plus affirmé pour les trentenaires ou les quadragénaires. Il parle un petit peu moins à ceux qui ont 18 ou 25 ans. Enfin, 25 ans, j'exagère. Mais effectivement, les trentenaires ou les quadragénaires, là, se disent « Ah, Axel Bauer, un artiste confirmé », ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. Mais il était disponible. C'est un artiste qu'on a pu faire venir parce qu'il sort un nouvel album en ce moment. Donc, c'est une vraie chance pour nous de l'avoir. Hein, c'est vrai. Le pari, c'est de se dire qu'on vient au concert, qu'on ait 15 ans, 25 ans ou 50 ans, on doit pouvoir s'y retrouver. Donc avec Axel Bauer, effectivement, c'est fédérateur sur les trentenaires, les quadragénaires. Donc c'est un artiste qui nous permet d'élargir un petit peu notre public. Cristal Live. La ville de Lisieux et votre radio vous donnent rendez-vous le 28 juin pour un concert gratuit avec, sur scène, Florent Motte. Tropical Family. Brice Conrad. Zao. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Génération Goldman. Axel Bauer. Ils sont si fiers, c'est pas qu'ils te cherchent à perdre la raison. Cristal Live. Votre concert gratuit, vendredi 28 juin à 20h30, place de la République à Lisieux. Avec la Caisse d'épargne Normandie, partenaire de toutes les musiques.